Bonjour mes amis lions, bienvenue à votre guidance pour le mois de mai 2022. Je vais aller me connecter à votre énergie pour aller chercher tout ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel. On va aller voir aussi le domaine sentimental et on va terminer la guidance avec des conseils généraux. Pour ce qui est du domaine pro, ça peut aussi s'apparenter à tout ce qui peut parler de vos projets. Si vous n'êtes pas en train de travailler, disons que vous êtes à la retraite, ça peut aussi s'appliquer à vos projets. Donc, c'est à vous de voir si la situation que je décris s'applique à vous. Ça se peut que le message ne soit pas pour vous nécessairement. Ça arrive, donc il ne faut pas forcer les choses. Vous pouvez à ce moment-là aller voir la vidéo de votre ascendant ou tout simplement une autre vidéo d'une autre personne sur le web. C'est sûr que j'essaie que ça parle le plus possible, mais il y a évidemment beaucoup plus que 12 situations possibles pour les signes des lions. Pour les signes astrologiques, en fait, pardon. Je m'excuse, j'étais concentrée sur la connexion médiumnique. Donc, j'ai un peu bafouillé. Les lions, domaine professionnel, mai 2022. C'est parti. OK. Donc, pour plusieurs lions, là, il y a eu une fin d'entente ou une fin de contrat dans un passé récent. On voit ça avec le soleil ici. C'est un désengagement par rapport à quelque chose. La roue s'est remise à tourner. Vous avez eu des propositions. En tout cas, il y a au moins deux, trois trucs ici qui tournaient autour de vous ou qui tournent présentement. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, ça s'en vient en tout cas. On est en route vraiment vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être une réussite. Donc, ça semble prometteur et ça se conclut avec un contrat ici qui est signé. Donc, soit un gros changement dans votre poste au niveau de votre entreprise ou soit vous allez carrément vers de la nouveauté. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe officiellement ici dans le mois de mai. Ça, c'est sûr. Mais pour cela, il faut quitter un engagement que l'on a déjà. Donc, ça bouge beaucoup pour vous pour le mois de mai, les lions, là. Déjà, ça part en force quand même. J'allais dire, ça part en lion, mais vous aurez dit, ah, c'est un jeu de mots facile. Donc, ça part en force ou ça part en lion, vous comprenez ce que je veux dire de toute façon. Donc, ça bouge pas mal pour vous. Quoi d'autre? Ouais, c'est comme s'il y a un projet que vous quittiez, il y a une situation que vous quittiez qui est en train de vous miner le moral, parce que là, j'ai la carte ici de la désillusion, de l'angoisse et tout ça, elle est renversée. La carte du projet, elle est renversée aussi. Donc, si vous aviez commencé quelque chose ou si ça faisait longtemps que vous étiez dans ce projet-là, il y a quelque chose vraiment qui s'est arrêté et qui s'en va vers autre chose. C'est une décision difficile, mais vous assumez et vous avancez vers la nouveauté, mais vous êtes en train de quitter quelque chose qui est en train de vous angoisser. Peut-être que vous n'étiez pas heureux dans cet endroit-là ou avec ce partenaire-là d'affaires ou avec un client, si vous êtes travailleur autonome. Il y a quelque chose de déchirant un petit peu là-dedans. Vous avez dû faire des choix, mais je vois que vous êtes vraiment déterminé à avancer et à aller vers le succès et la nouveauté. Donc ça, c'est hyper positif. Et là, il y a l'as de coupe qui vient de tomber comme ça. Et en fait, un petit coucou. Ça veut dire vraiment un nouvel amour, un nouveau départ, quelque chose que l'on aime vraiment faire. Donc c'est peut-être un rêve qui se réalise pour vous. Ça fait longtemps que vous désirez aller dans cette direction-là. Et là, les circonstances ont fait en sorte que ça s'est réalisé. Ça semble pas quand même être quelque chose de trop impulsif. C'est comme si vous aviez déjà réfléchi à ça par le passé, vous aviez déjà pensé, mais là, vous avez fait le geste d'y aller. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je vois point de vue d'influence extérieure ici. J'ai même l'impression que pour certains lions, on est allé carrément vous chercher. On a chassé des têtes et on est allé vous chercher, on vous a amené avec eux dans cette nouvelle entreprise-là ou ce nouveau projet. Dernière carte ici en bas. Donc, vous vous sentez un petit peu déraciné. C'est normal, il va falloir vous réenraciner.
Ça se pourrait que vous ayez un petit conflit à régler justement avec l'ancien partenaire d'affaires ou l'ancien employeur. Parce que là, ici, je vois qu'il y a un petit conflit d'idées par rapport à ce déracinement-là. Peut-être que vous êtes parti possiblement sur des vibrations un peu négatives. Mais vous voulez vraiment atteindre vos buts. Vous avez des objectifs au niveau matériel, vous avez des objectifs au niveau de vos ambitions. Et c'est vraiment ça qui a déterminé votre choix. Et vous avez quitté cette personne ou cette entité-là, cette entreprise-là ou ce client-là. Mais je vois qu'il y a quand même un petit quelque chose à régler, un petit truc conflictuel pour vous dans cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que je vois pour vous dans le mois de mai. C'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ. Si vous ne changez pas franchement de métier, il y a vraiment un changement au niveau de votre statut ou de votre poste parce que ça sent vraiment le changement. Mais c'est un changement très, très, très positif qui va vous permettre d'avoir une belle qualité de vie ici. Okay? Donc, vous avez fait le bon choix si jamais c'est ça votre questionnement, là. Vous avez fait le bon choix. Quoi d'autre? Ça dit de mettre un petit peu d'amour dans cette situation-là parce qu'il y a des ajustements qui vont être requis. Donc, dans n'importe quel changement, il y a toujours une phase d'adaptation. Il faut faire certains ajustements. Il faut s'ajuster, oui, à la nouvelle structure de travail, mais il faut aussi s'ajuster avec les nouveaux collègues ou les nouvelles conditions, disons, autour de vous. Donc, soyez patient. Donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'amour. Donnez de l'amour aux autres. Soyez dans l'empathie, dans la générosité, dans le zen, dans la zénitude, et tout va bien se passer. Même chose pour votre petit conflit avec l'ex-employeur ou l'ex-partenaire, là. Mettez de l'amour dans la situation, soyez pas trop dur et tout devrait se régler facilement. Donc, changement de direction pour vous, les lions, ce mois-ci. C'est ce qu'on a dans votre tirage professionnel ou le tirage projet. Maintenant, je vais aller voir du côté des lions qui sont célibataires. On va aller voir si vous faites la rencontre de votre vie ce mois-ci. On va aller voir ça. On va aller voir s'il y a des surprises, s'il y a un ex qui revient. On va aller voir ce qui se passe dans votre vibration énergétique amoureuse pour nos lions qui ne sont pas en couple. Je précise vraiment parce que la partie couple, elle va venir après. Donc, ceux qui ne sont pas encore engagés officiellement auprès de quelqu'un, c'est à vous que s'adresse ce tirage amoureux. Mai 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, là, on le voit vraiment que vous êtes célibataire ici, mais c'est une solitude ou un état de célibat qui est super bien vécu. C'est comme vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas trop stressé, vous n'êtes pas en train de courir après n'importe qui, les yeux fermés juste parce que vous ne voulez pas être seul. Vous vivez très bien votre situation, vous êtes confortable, vous êtes à l'aise, vous ne cherchez pas nécessairement à rencontrer plus qu'il faut. Donc, vous êtes en paix avec vous-même, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est comme si vous avez besoin d'un moment aussi pour relaxer entre deux relations. Probablement que c'est ça, parce que j'ai la tempérance qui est là. Ou soit que justement, vous êtes en train de faire tellement de changements au niveau pro que vous voulez mettre vos énergies là et vous ne voulez pas nécessairement vous faire le focus dans votre vie sentimentale, parce que j'ai cette carte-là ici qui indique vraiment comme une transition dans votre vie. Donc, ça peut être à la fois les deux, hein? Parfois, il se passe la même chose au niveau pro qu'au niveau sentimental. C'est comme si toutes les énergies étaient alignées, là. Donc, si vous êtes en métamorphose au niveau pro, ça peut aussi être en train de se faire au niveau sentimental. Vous transitez vers autre chose et pour l'instant, ça vous fait du bien d'être seul. Vous n'êtes pas trop regardant là-dessus sur la recherche sentimentale et tout ça. Je pense pas que vous avez envie nécessairement de vous engager non plus. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va être pour avoir du plaisir, ça sera des discussions amicales, ça sera des trucs sans attente, en fait, que vous allez faire, que vous allez avoir, qui va se présenter à vous. Donc, ça fait votre bonheur aussi. Et je crois pas que vous allez décider quelque chose d'officiel ce mois-ci par rapport à quelqu'un en particulier. Je ne pense pas que vous allez annoncer à personne là, que vous êtes engagé avec quelqu'un ce mois-ci. Okay? Donc, il n'y a pas de grande annonce officielle non plus. Oh là là, la foudre!
Je sais pas si ça vous entendez, mais chez moi, il vient d'avoir un gros éclair qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. La foudre. Ah ben, peut-être qu'il va avoir un petit coup de foudre. C'est peut-être ça que ça veut dire pour vous. Un coup de foudre sans engagement, ça se peut, ça. Un vœu exaucé. Il y a quelque chose qui s'exauce pour vous dans le plan sentimental, mais vous avez envie d'être seul. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire plaisir, mais vous n'allez pas vous engager avec cette personne-là. OK, je vais continuer à sortir des cartes. On va aller voir de l'autre côté. Oh, pardon. La responsabilité. Les possibilités. Ça parle d'un ami. D'un ami qui va probablement se manifester, un ou une amie qui va se manifester vers vous, qui va vous parler qu'elle a déjà envisagé d'être en relation pour plus que de l'amitié avec vous. Donc, moi, je crois que c'est ça, ce vœu exaucé. On va venir vous avouer qu'on vous a déjà aimé ou qu'on a déjà eu le béguin pour vous. Donc, il va peut-être se passer un petit quelque chose à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas nécessairement poursuivre ça. Vous n'allez pas faire grandir ça, en tout cas, cet aveu-là. Là. Mais c'est comme si cette personne-là, vous auriez aimé qu'elle soit avec vous dans le passé. Ça ne s'est pas réalisé. Et là, finalement, elle vient vous voir et vous dit... Tu te souviens-tu quand on étudiait ensemble, quand on était jeunes, t'étais intéressée, mais je faisais l'indépendant, puis je te montrais pas trop d'intérêt. Ben, je viens te dire que j'étais juste gênée, disons, puis que je voulais pas, j'avais trop peur de m'engager ou quelque chose comme ça. C'est comme si on venait vous révéler un secret de quelque chose que vous avez déjà désiré, que vous avez pas eu. Et que là, on venait vous dire, ah, ben, tu te souviens, toi, tu avais un œil sur moi, mais moi, j'étais trop timide, j'étais intéressée, mais j'étais trop timide. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va faire comme, ah, oh, un petit pincement au cœur. C'est comme s'il y avait eu un rendez-vous manqué dans le passé. Où est-ce que vous allez amener ça? On va voir si ça va se développer, mais j'ai l'impression que vous allez mettre ça sur le hold un petit peu, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation. C'est comme si ça appartenait au passé. C'est agréable de le savoir. Ça vient chercher un petit côté... Ça vient faire briller un petit peu les étoiles, tout ça. Ça vous fait ressentir quelque chose de joyeux, mais je pense pas que cet aveu-là va venir vraiment déclencher quelque chose qui va se développer sur du concret. Donc, il y a quand même un petit côté amusant à ça. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va venir vous avouer qu'il a déjà eu des sentiments pour vous. Mais je ne vois pas de prise en charge de ça. C'est ça qu'il y a. On va aller voir si les anges de l'amour disent le contraire, là, mais on va aller voir. Ah, ça dit les sentiments amoureux, c'est ça. Il y a eu des sentiments amoureux de cette personne-là envers vous. Ça dit ne pas essayer de tout contrôler ça et ça se pourrait que ça soit la bonne personne. Donc, vous allez avoir une petite surprise. Quelqu'un que vous connaissez qui va vous avouer ses sentiments, des sentiments qu'elle a déjà eu pour vous. C'est à vous de voir si vous allez avoir envie de développer ça ou pas, mais on dirait que ça ne vous tente pas vraiment dans le mois de mai. Vous hésitez en tout cas. Vous êtes tiraillé ici, clairement. Vous n'avez pas trop envie de prendre des responsabilités au niveau relationnel. Vous n'avez pas envie de vous préoccuper de ça. Mais ça pourrait être la bonne personne. Donc, on vous laisse dans le fond le choix. Peut-être que ça va être plus facile en juin. En mai, vous n'avez pas trop envie. Mais en juin, ça pourrait que vous réalisiez qu'il y a peut-être un potentiel finalement avec cette personne-là. Mais ça ne sera pas en mai, en tout cas, que vous allez revenir là-dessus. Donc, ça va être une situation qui va être à suivre parce que il a l'air d'avoir un petit début de quelque chose. Il y a un potentiel. Ça pourrait être la bonne personne, mais il va falloir voir comment vous allez investir pour faire évoluer ou pas cette situation. Donc ça, c'est votre mois de mai, les lions célibataires. Quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Une petite déclaration, là.
Maintenant, je vais aller voir mes lions qui seraient déjà en couple. On va aller voir si votre vie de couple, il y a des surprises. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça évolue la relation? Donc, lion en couple, déjà en couple. Qu'est-ce qui se passe? Ok, vous avez des belles cartes quand même. J'ai la carte du monde ici qui parle d'accomplissement, qui parle de réalisation. J'ai l'étoile, même si elle est renversée, ça parle de réalisation de souhait, peut-être avec un petit peu de délai, mais c'est quand même là. Et j'ai le jugement qui est une grande annonce, une décision qui est rendue et tout ça, d'un projet dans lequel vous êtes en train de vous investir de plus en plus avec l'autre personne. Donc, projet de vie commune, projet d'engagement supérieur, peut-être la famille aussi. On pense peut-être à une grossesse ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être avoir des enfants. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'engagement qui prend un niveau supérieur. Ça, c'est clair. J'ai l'impression que vous allez vraiment annoncer une grande nouvelle à tous ceux autour de vous. Donc, ça va être au grand jour. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se trame pour vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, on va aller voir ça. Quel est ce projet? Quel est ce projet? Je pense vraiment que c'est la famille, le projet, là. Mais je vais aller me chercher plus d'indications pour être sûre. Oui, c'est la famille, vous voyez? Bonheur familial ici. C'est comme, ça fait assez longtemps qu'on attend. Même si on a des résistances, on s'avoue vaincu, on fait comme « ok, let's go, on y va », les obstacles se tassent. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau croissance familiale. Donc, soit un beau mariage ou soit l'annonce que vous allez avoir un enfant. Donc, il y a ça ici qui s'en vient pour vous pour le mois de mai. Si vous êtes plus âgé, disons, et que c'est plus l'âge d'avoir des enfants… Parce que là, vous avez, j'entends déjà là, les gens penser, là, je me dis, ah ouais, il y en a qui vont dire que c'est pas pour eux, que ça se peut pas parce qu'ils sont rendus à l'âge de ne pas avoir d'enfants. Bien, peut-être que ça va être plus loin dans la famille. Ça peut peut-être être une nouvelle que vous allez apprendre de votre famille. Donc, quand ça ne nous concerne pas directement, le tirage amoureux, ça peut parler aussi de la famille autour de nous. Donc, ça se pourrait que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. Sinon, si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, ça va être vraiment un projet qui concerne la famille. Disons, ça peut être un voyage familial, ça peut être une célébration, une réunion de famille, renouveler ses vœux, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à la famille qui est là, qui va se réaliser. OK. On va laisser ça ici pour l'instant. Je vais aller voir de l'autre côté les autres cartes que j'ai. On dirait qu'il y a beaucoup de monde impliqué dans cette nouveauté-là. Il y a vraiment comme une célébration là par rapport à ça. Il y a des amis qui seront là, il y a des gens de la famille qui seront là. Mais on est un peu inquiet financièrement. Il y a là, ça je ne vous cacherai pas, là, vous avez un petit peu d'inquiétude. C'est peut-être pour ça que le projet que vous avez en tête, que ce soit d'agrandir la famille ou de se marier ou d'aller vivre ensemble, ça va peut-être être un petit peu retardé, disons, à cause de ça, de cette petite insécurité financière-là, mais ça va quand même se faire parce que je vois l'annonce ici officielle. Là. Ça, c'est quand le messager arrive avec sa trompette en cheval au grand galop et qu'il annonce au peuple quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Là. C'est soit des invitations que vous envoyez ou une grande annonce que vous faites sur les réseaux sociaux ou vous appelez les gens, etc. Donc, il y a ça ici, mais il y a une insécurité matérielle qui est là. On a un petit peu peur que ça va coûter trop cher. Donc, ça, c'est ce que je vois dans votre tirage amoureux. Je vais aller voir si vous avez raison de vous inquiéter ou pas. Donc, c'est tant mieux pour les lions, hein? Ça veut dire que votre relation, elle va bien. Elle est en train de passer à un niveau supérieur. Ça
Ça veut dire tout le chemin que vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes en train de récolter le fruit de vos labeurs. Donc, vous êtes probablement battu longtemps pour obtenir ce qui s'en vient. Donc, on dit, vous recevez ce que vous méritez. C'est vraiment ça qui se passe pour vous. Maintenant que j'ai fait les couples, que j'ai fait les célibataires et la partie professionnelle, je vais aller chercher un dernier message général pour nous dire ce que vous êtes en train de travailler dans l'énergie. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, je pense que ça va être très parlant pour vous. Pour les lions, qu'est-ce qu'on est en train de travailler dans l'énergie? Montrez-nous ça. Oh, j'en ai deux ici. OK, ça je sais c'est quoi, mais l'autre, je vais aller chercher la petite livrette pour vous expliquer. Ça ici, là, ça s'appelle, c'est l'épée de lumière. Ça, c'est une épée, quand elle sort dans un tirage, c'est que vous êtes en train de couper des liens avec des vieilles choses qui ne vous servent plus dans la vie. C'est vraiment la coupure avec des trucs qui nous retiennent, des limitations mentales, des vieux schémas limitatifs, des vieux schémas relationnels. Vous êtes en train vraiment de vous libérer de ça. On est en train de couper toutes vos vieux liens toxiques, en fait, avec le passé. Ça peut appartenir à des vies antérieures, ça peut appartenir à des vies, à des relations passées, ça peut appartenir à vos ancêtres, des choses que on vous a léguées, en fait, dans votre lignée ancestrale. Vous êtes en train de vous couper avec toutes les choses qui ne vous servent plus présentement dans cette vie. OK? L'activation pléiadienne, c'est vraiment... Les choses sont en train de se résoudre. Vous êtes en train de vous harmoniser avec l'énergie de l'univers. Donc, c'est vraiment, vraiment des super belles cartes. Et c'est pour ça que vous avez tellement un beau tirage aujourd'hui. Je pense que vous avez compris des choses. Vous êtes vraiment en train de vous aligner avec la mission de vie, en fait, que vous avez. Je vais quand même aller chercher pour les pléiadiens un petit peu plus de détails pour ça. OK. Donc, l'énergie pléiadienne, comme je disais, c'est vraiment une énergie d'harmonisation. Vous êtes en train de franchir ce portail-là et peu importe quelle énergie inconfortable vous êtes en train d'expérimenter présentement dans votre vie, sachez que sous peu, on est en train de nettoyer tout ça. C'est pas pour rien qu'on a l'épée de lumière aussi. On est en train de vous nettoyer, de couper avec tout ce qui vous retient. Ça, là, il y a beaucoup de monde qui aimerait ça, avoir ça dans leur tirage. Qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit qu'on est en train de vous faire comprendre que c'est important d'être connecté avec la Terre et avec tous les autres autour. Ça va vous permettre de saisir l'opportunité d'expérimenter le divin, de faire partie d'un tout, en fait. Ça vous montre aussi les conséquences que ça a lorsqu'on manque de respect envers certaines personnes. C'est comme si on se manquait de respect envers soi-même. Je m'excuse, je suis en train de traduire en même temps simultanément de l'anglais. Les leçons auxquelles vous faites face à ce moment-ci dans votre vie sont des opportunités de guérir des vieilles blessures afin d'opérer à un niveau énergétique encore plus puissant. Donc, vous êtes en train de vous élever, tout simplement, puis de vous libérer des choses qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie, des vieilles limitations, comme je disais tantôt avec l'épée de lumière, qui ne vous servent plus. Donc, c'est vraiment super beau travail, les lions. Je suis fière de vous. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la guidance. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Sur la page principale, il y a le bouton d'abonnement. Vous allez à ce moment-là recevoir le mois prochain votre prochaine guidance. Je fais une guidance par mois, par signe astrologique, entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Dans votre cas, tout était super positif, donc... C'était vraiment un beau tirage, un petit peu moins long que peut-être les autres signes ce mois-ci, mais vous aviez tellement des belles choses, c'était tellement fluide que j'avais peut-être un petit peu moins de messages à ce moment-là à vous transmettre. Il n'y avait pas de mise en garde ou de choses comme ça. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de passer un beau mois de mai. J'espère que cette guidance-là va vous aider à y voir plus clair. Et j'espère bien vous revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. Donc, merci les lions. À bientôt!